Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Là, moi, pour une belle petite vidéo pour nous, moi, je pense que nous avons une petite vidéo, hein, comme moi, toujours dit. Et nous-mêmes, tout nous toujours dit ça, nous sentons bien, les nous regarder vidéo mieux. Et moi, féliciter nous d'abord parce que nous toujours marcher main dans la main ensemble avec moi. Nous connaissons travail moins, c'est pas un travail qui est facile, ok? Au jour le jour, moi toujours à penser pour nous, mais pendant ma pensée pour nous, et puis il y en a des amis nous qui relaient moins. D'ailleurs, nous n'avons pas fait, moi pas gagné un problème avec nous pour numéro, d'accord? Parce que moi, voulais rester connecté ensemble avec compatriotes nous, partout ailleurs, partout dans le monde, quel que soit côtoyé à travers le monde, si Covid a Faniel, eux, point, je voulais rester connecté avec vous. Et c'est ça que fait nous bail numéro de téléphone, nous. Toutefois, il y a des gens qui ont besoin de conseils, d'assistance, tout ça, ils ont idée, ben, capable de nous pour communiquer avec nous. Pendant ma pensée pour nous, pour mon travail, il y a un thème. Un bégué aux amis qui lui dit, est-ce que femme qui est enceinte capable d'ovuler? Bon. Et il y a monde qui a dit, bon, c'est une question folle. Et bien, amis, on connaît, on va écouter nous là, on va regarder nous. Ce sont très belles questions. Ce sont questions qui sont très intéressantes et qui gagnent pile force là dans nous. Questions qui gagnent pile sagesse. Parce que moi, je te dis, nous, au moment d'ovulation, au moment des règles, fille incapable d'ovuler en même temps. Et me dit, bon, non, pourcentage là vraiment faible, d'accord? Probabilité en faible, mais il existait. Ça veut dire, au moment des règles, il y a des gens qui sont capables de tout ovuler. Ça veut dire, si elle fait bagarre avec une fille pendant qu'il y a des règles, ou pas mettre condom, jamais te dit, hein, il est capable d'enceinte. Pas vous et pieds, puis tu te lances pour lui. Attendez ton temps, d'accord? Est-ce que fille enceinte est capable d'ovuler? Quand je me pose une question, est-ce qu'il y a une fille qui est enceinte toujours gagne une menstruation? Ok. Si vous n'avez pas une menstruation, d'ailleurs, fœtus là, ou bien bêta, ça ne t'arrête les karyotypes là, c'est un point final aux règles. Ça veut dire, il y a une fille ovule croisée avec un autre spermatozoïde, eh bien, trompe de Fallope là, a kembe spermatozoïde ça, il peut le mélanger là avec l'ovule là, et puis pour le balayer en karyotype. Karyotype là, vous voulez dire, pour le former en gamin, et puis finalement, il peut aller en bébé. Maintenant, moi dis nous, karyotype là, c'est point arrêt ou bien point final limité à la menstruation ou point final aux règles. Moins clair, parce que si vous êtes enceinte, c'est que c'est parce que vous n'avez pas de règles. Et pour ovuler, il faut que vous ayez des règles. Par contre, si nous comprenons. Parce que cette question, il y a une sagesse là-dedans. Ce n'est pas en question pour m'avoir dit non, y a une fille qui est enceinte, pas qu'à ovuler. Nous disons c'est deux mondes qui comme toute bagaille, c'est bon Dieu avec les imbéciles. D'accord? Question de sagesse la donne. Et nous pas qu'à courir, imposer une réponse. Parce que dans toute règle, il y a une exception. Moi seulement dis nous, puisque il y a un gamin, ça veut dire. C'est foin d'arrêt limité dans la règle. Maintenant, pour gagner ovulation, il faut que gagne règle. Mais si moi enceinte, c'est que je n'ai pas de règle, ça veut dire, vous comprenez bien, il est très 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 difficile et même impossible pour une fille capable d'ovuler pendant l'enceinte. Mais toutefois, pendant l'enceinte, il li gagne règle, oui, il est capable d'ovuler. Mais si pendant l'enceinte, il n'a pas de règle, même n'est pas possible pour l'enceinte, pour gagner règle, en cas d'exception, ça a arrivé. Eh bien, s'il y a une règle à ovuler, s'il n'y a pas de règle, il n'y a pas ovuler. Voilà. Bon. Zami, ma bonne réponse là, est-ce que je suis enceinte capable de règle? Capable de ovuler. S'il y a une règle pendant l'enceinte là, il n'y a pas ovuler. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas ovuler. Voilà. Et si ma vidéo vous a plu, merci. J'adore ça. Tant mieux. Et puis, partage l'information. Hein? Et puis, bye l'autre monde. Et puis, quand ça va faire sentir que vous avez une vidéo. Bonjour. On se reverra dans une prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Et je vous dis toujours, c'est comme ça.